Bonjour tout le monde. Before I get started, I want to take a moment to recognize Canadians who are doing some of the toughest jobs in the country. The women and men working in our hospitals, our seniors' homes, and our long-term care facilities are making sacrifices every day. If you do one of these jobs, thank you. Thank you for keeping us safe and healthy and protecting our loved ones. You deserve our full support. So if you need a hand getting through these tough times, we'll be there for you. Today, we're announcing more help for more Canadians. This includes topping up the pay of essential workers. At the same time, we'll also be expanding the Canada Emergency Response Benefit to reach people who are earning some income, as well as for seasonal workers who are facing no jobs, and for those who've run out of EI recently. And a little later, I'll have some news about where we are with testing. Au Parlement, vous m'avez entendu parler des contributions de la plus grande génération, celle qui a grandi durant la Grande Dépression et qui s'est battue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, à travers le pays, les derniers membres de cette génération vivent dans des résidences pour personnes âgées et des établissements de soins de longue durée. La vérité tragique et dérangeante, c'est que les endroits même où on s'occupe de nos aînés sont particulièrement vulnérables à la COVID-19. C'est un sujet que je vais aborder avec les premiers ministres durant notre discussion qui aura lieu demain soir. On doit tous faire mieux. On doit tous faire preuve de leadership pour soutenir les aînés qui ont bâti ce pays. Pour commencer, notre gouvernement va travailler avec les provinces et les territoires pour augmenter les salaires de nos travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2 500 par mois, comme ceux de nos établissements de soins de longue durée. You heard me speak in Parliament about the contributions of the greatest generation, who grew up during the Depression and fought through the Second World War. Today, across the country, the last members of this generation live in nursing homes and long-term care facilities. The uncomfortable and tragic truth is that the very places that care for our elderly are the most vulnerable to COVID-19. I will be addressing this with premiers tomorrow night. We all need to do better. We all need to take leadership for the seniors who've built this country. Our government will work with the provinces and territories to boost wages for essential workers who are making under $2,500 a month, like those in our long-term care facilities. For many workers looking after the most vulnerable Canadians, including seniors and those with disabilities, we know conditions have gotten more difficult over the past weeks, and you need support right now. Tomorrow, in our weekly meeting, I will discuss with provincial and territorial leaders the importance of getting this wage boost in place as quickly as possible. As we face an unprecedented threat to public health, you are our most important line of defense. We will do whatever we can to help you do your job and support you through this time. En mars, notre gouvernement a instauré la prestation canadienne d'urgence. Cette mesure fait partie d'un plan qu'on a mis en place pour veiller à ce que tout le monde ait l'aide nécessaire pour traverser cette période difficile. Des millions de personnes ont déjà reçu la prestation, mais on sait que bien du monde n'est pas admissible. Il y a toujours besoin d'aide. Donc, aujourd'hui, on va assouplir les critères d'admissibilité pour permettre à encore plus de gens de bénéficier. Si vous gagnez 1 000 par mois ou moins, vous pourrez maintenant recevoir la prestation canadienne d'urgence parce que bien des gens ne travaillent pas autant d'heures qu'avant et d'autres doivent s'adapter aux réalités du travail à la pige ou à contrat. Les travailleurs qui ont épuisé leurs prestations d'assurance-emploi récemment pourront aussi recevoir la prestation. Et à travers le pays,
Beaucoup de gens n'auront pas de travail saisonnier cette année à cause de la pandémie. Et donc, la prestation canadienne d'urgence sera là pour eux aussi. C'est aussi un contexte difficile pour les artistes et les créateurs à travers le pays. Les lieux culturels sont fermés et le travail se fait plus rare. Le ministre Guilbeault a entendu les artistes qui demandaient que les droits d'auteur pour le travail fait avant cette crise ne soient pas inclus pour accéder à la prestation canadienne d'urgence. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, en ces moments anxieux, les artistes continuent à nous faire réfléchir, à nous faire rêver et à mettre un peu de soleil dans nos quotidiens. Et nous leur en sommes toujours reconnaissants. Today, I can announce that we are expanding the Canada Emergency Response Benefit to include people making up to $1,000 a month, seasonal workers, and people whose EI has recently run out. Maybe you're a volunteer firefighter, or a contractor who can pick up some shifts, or you have a part-time job in a grocery store. Even if you're still working, or if you want to start working again, you probably need help in making ends meet. So if you earn $1,000 or less a month, you'll now be able to apply for the CERB. If you were expecting a seasonal job that isn't coming because of COVID-19, you'll now be able to apply. And if you've run out of EI since January 1st, you can now apply for the CERB as well. And for others who still need help, including post-secondary students and businesses worried about commercial rent, we'll have more to say to you very soon. No matter who you are or where you live, we're in your corner. Après avoir accepté une première demande d'aide des Forces armées canadiennes pour le Nunavik, le gouvernement du Québec nous a envoyé une deuxième demande pour la base Côte-Nord. Je peux vous confirmer que ce sont les Rangers canadiens qui vont aller leur prêter main forte. After having accepted the first demand for help from the Canadian Armed Forces for Nunavik, the government of Quebec has sent us a second request for Basse Côte-Nord. I can confirm that the Canadian Rangers will be there to provide support. I want to thank our women and men in uniform and the families who serve alongside them for all that they do. Whenever we need you most, you're always there for us. Par moment, on peut se sentir dépassé par les événements. On est dans une situation qui peut paraître irréelle et c'est pas toujours facile de composer avec tout ce qui se passe autour de nous. Cette semaine, le gouvernement lance un portail qui rassemble toutes les ressources en matière de santé mentale qui sont à votre disposition. Vous pouvez aller au canada.ca ou utiliser l'application Canada COVID-19 pour parler à quelqu'un. Il n'y a aucun gêne à se sentir comme ça. L'important, c'est d'aller chercher de l'aide. If you're feeling overwhelmed, know that you aren't alone. And there are people who can help. We have launched a mental health portal at canada.ca and through the Canada COVID-19 app, where you can go to find support. So if you need to, please reach out. We'll be there for each other. Finally, we have more news today to share on testing. Lumen Ultra from New Brunswick, with whom we signed a contract, is now ramping up production to supply enough COVID-19 test chemicals to meet the weekly demand in all provinces. And in the last few days, we received a new batch of swabs to make sure every province has the supplies they need to keep testing. Whether it's reagents or test kits, we are ensuring that Canada has the tools to fight this virus. Tomorrow, I'll also be speaking with the other G7 leaders about continuing to coordinate a strong and effective global response to this pandemic. L'entreprise Lumen Ultra du Nouveau-Brunswick est en train d'augmenter sa capacité de production de façon à fournir assez de produits chimiques pour effectuer les tests de COVID-19 qu'il faut faire à chaque semaine dans toutes les provinces. Et au cours des derniers jours, on a reçu plus d'écouvillons pour les provinces.
Je sais que tout le monde veut savoir quand est-ce que la vie va reprendre son cours. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas vous donner une date précise. Mais voici ce qu'on sait. Pour que ça se termine, il faut rester chez vous. Il faut limiter nos déplacements le plus possible et garder une distance de 2 mètres avec les autres. Et si tout le monde fait sa part, on va passer à travers ensemble. Merci.